Bienvenue à vous tous, mes chers amis Gémeaux, pour votre tirage général du mois d'août. Sans plus tarder, je vais utiliser avec vous le tarot de la magie verte et le tarot The Muse version anglaise. Je vous invite à vous abonner, à partager dès à présent. Voilà, c'est fait. Merci pour le pouce bleu, pour le petit cœur, pour le commentaire. Vous allez voir que ce tirage général va être extrêmement parlant. Je vous invite également dès demain pour votre tirage sentimental. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, un tirage général pour mes chers amis Gémeaux pour ce mois d'août. Alors, en 6 cartes, je vous le rappelle, au niveau général, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais on va essayer de voir ce que vous pouvez en retenir. Passé, présent, futur. C'est dans les choses le plus simple qu'on fait les meilleures choses. Ok? La première lame ici, c'est la dame et le seigneur. C'est la lame 6. Cette lame, elle vous indique quoi? D'ailleurs, mes chers amis Gémeaux, pour ce mois d'août, c'est à vous de me dire en commentaire à quoi elle correspond cette lame pour vous. Ça y est, c'est fait, on va voir ensemble, hein? Donc si on est en accord. Cette lame du 6 de la Dame et le Seigneur, elle vous indique une transformation, un changement, quelque chose qu'il va falloir faire autrement. En quelque sorte, tu pourrais te dire, je vais tenter autre chose. Ou alors, tu pourrais te dire, il y a tout qui me pousse à être meilleur aujourd'hui. Il y a une force à l'extérieur qui m'indique que je peux tout réaliser car tout est possible. À peu près, cette lame, elle correspond à cette énergie du moment. Alors, on va voir ce que tu peux faire pour ce mois d'août. On a ici le 8 de calice. Et là, tu te poses en avant et tu réfléchis et tu te dis, mais c'est vrai. C'est vrai que toutes mes secondes sont à moi. C'est ma vie. C'est moi qui décide de chaque seconde de ma vie, de ce que je veux faire. C'est moi le créateur, c'est vrai. Mais on me montre le contraire. Quand je suis au travail, on te dit, Oh, mais il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. C'est le travail. C'est comme ça et c'est pas autrement. Est-ce que tu as cette croyance en toi que tu ne peux pas faire autrement, que tu ne peux pas vivre autrement? Cette lame, elle est là pour te faire réfléchir, pour que tu t'introspectes et que tu te poses des véritables questions. Les réponses sont en toi. D'accord? La troisième lame ici t'indique la vieille. Qu'est-ce que c'est? C'est la force, c'est le courage. Tu as la force en toi d'apaiser ton esprit. Tu peux tout simplement dire stop à ton ego. D'arrêter tout simplement d'analyser en permanence. J'analyse, j'analyse. L'analyse paralyse. Réfléchis à ça. J'agis en conséquence pour réussir. J'analyse. Ça me paralyse. Je me forme et je me forme. Je lis un livre, deux livres, trois livres, hein, et 50 livres, 100 livres, 150 livres. Mais quand c'est que tu vas passer à l'action? Tu lis un livre, boum, tu passes à l'action sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as ressenti, sur ce que tu décides de faire. N'est-ce pas?
Et mon cher ami Gémeaux, pour ce mois d'août, ne te repose pas sur les lauriers. C'est l'été, c'est les vacances, et c'est pour ça que tu dois te reposer. Non, continue à travailler. Continue à t'améliorer, car tu peux en permanence progresser. Ne laisse pas la concurrence, ne laisse pas les compétiteurs gagner du terrain, parce que eux, ils n'attendent pas, d'accord? La quatrième lame ici, c'est le 2 émotion. Tu te dis, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez forte. Tu te noies dans tes propres émotions. Voilà ce que cette lame est en train de te dire. Tu te sens pas assez fort, tu te sens épuisé, démoralisé. Tu te dis, mais avec tous les efforts que je fais, mais les gens, ils arrêtent jamais. Et moi, mais comment je peux faire pour continuer à performer? Je n'en peux plus, je suis terrassé. Je suis à l'agonie. Je suis au fond du trou. Je me noie dans mes propres émotions. Alors bravo à toi, parce que si tu es dans cette situation, si tu es ici avec moi, c'est que tu as besoin, tout simplement, d'un petit coup de fouet dans ta vie, d'avancer, d'agir, de te dire. Mais c'est vrai, en fin de compte, j'ai besoin de ce coup de fouet. J'ai vraiment besoin de cette motivation, de cet espoir, de cette énergie que tu m'envoies. Alors si moi je réussis, toi aussi. Pourquoi moi je réussis et pas toi? Pourquoi toi tu réussis et pas moi? Pose-toi cette question. Pourquoi les gens réussissent et d'autres non? Qu'est-ce qui t'empêche de te réaliser? À toi de me le dire en commentaire. Dis-moi, aide-moi, dis-moi ce qui t'en empêche. Et dis-moi pourquoi moi je ne réussirai pas également. Pose-toi ces questions. On va s'aider entre nous. Ok? Je t'aide à réussir, tu m'aides à réussir. C'est gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, partage, diffuse. Ensemble, on va s'entraider. Ensemble, on va réaliser que des choses peuvent être faites. Ok? Réfléchis. Voilà ce que cette lame, elle te dit. Il sera peut-être judicieux pour toi de créer quelque chose avec un partenaire ou une partenaire loyale. Et depuis toutes ces années, tu comprends qu'on pourrait bah, tout simplement créer quelque chose de mieux. Toi, moi, la communauté, ta communauté, nos communautés. Si je te dis ça, c'est que c'est ce que je ressens. Tu as créé une communauté, tu as créé quelque chose de ton côté. Et créer cette fusion pourrait peut-être créer une explosion bénéfique pour ce monde. À toi de réfléchir, ok? La cinquième lame, mon cher ami, ma chère amie Gémeaux, pour ce mois d'août, on a ici Awakening, on a ici l'enfant indigo, on a ici la personne ultra sensible. Alors je te mets la lame à l'envers parce que cette lame, je te la mets à l'endroit parce que, comme tu l'as vu, la lame elle est à l'envers. Mais à l'endroit, c'est je crois en moi, je laisse l'univers, j'ai une foi inestimable en la vie. Et comme elle était à l'envers, on voit ici que cette foi en la vie n'est pas là. Alors je t'invite bien sûr à cliquer en dessous là, en dessous de la guidance. Et il y aura un lien sur mon premier tome que j'avais écrit, La foi inestimable, la foi illimitée. C'est un livre qui va te permettre tout simplement de croire totalement en toi. Tu verras, il est extrêmement révélateur. La foi illimitée est le premier tome sur les 12 d'une grande série. À l'heure actuelle, le tome 2 est déjà sorti, l'énergie de l'amour, et le troisième, l'énergie du désespoir, va pas tarder.
Je t'invite bien sûr à aller les feuilleter gratuitement hein, sous les liens en dessous. Voilà. Crois en toi, crois en tes capacités. Tu vas réussir parce que tu en es capable. Je réussis de mon côté. Je te montre que j'ai réussi. Je te le montre également que toi aussi tu peux en être capable. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui réussissent et d'autres pas. Qu'est-ce qu'ils font? Et fais-le. N'essaye pas. Fais-le. La sixième lame ici, bah, tout simplement, t'indique la reine de l'émotion. Comme on a vu au niveau général, c'est toi qui as les clés en main. Arriver à maîtriser tes émotions, arriver à avoir une parole sage, avoir une belle attitude bienveillante, empathique envers les autres, va te permettre de réussir. Car tu aides les gens à réussir et eux, ils t'aident en retour. C'est ce que l'on appelle une entraide émotionnelle. Alors tu vas pas me dire que tu n'es pas humaine. Car si tu me mets pas un petit pouce, si tu ne t'abonnes pas, si tu ne partages pas, c'est que tu n'as pas compris les valeurs humaines que je t'enseigne. Ne fais pas partie de cette foule de personnes qui agissent comme des robots. N'en fais plus partie. Rejoins la communauté dès à présent. Merci de ton abonnement. Merci de ton écoute. Merci de ta confiance. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. À demain.